chez Redmond parce qu'il faut pas oublier que chez notre culture. Pour moi, c'est important parce qu'il n'y a qu'une seule Normandie. Donc, une seule Normandie veut dire qu'elle comprend Guernesey et Jersey. Et comme je suis un défenseur de la langue normande, tant que faire se peut, parce qu'on sait que un jour ou l'autre, eh bien, ça sera peut-être difficile de maintenir cette langue, mais ça nous donne des rapports quand même entre nos différentes contrées et nos différents pays normands. Je suis bien content d'être ici à Guernesey-Agny, d'avoir les Géries, les Guernesiens, et puis les gens de Haute-Normandie, comme le dit Deco, pour remocher notre langue. Je crois que d'avoir Internet, d'avoir les canchons d'Agny, ne peut avoir dans l'idée de remocher tous ces mots qui sont oubliés, des mots normands qui viennent du Moyen-Âge. On fait l'anglais, on fait le français, et il faut travailler tout par ensemble pour que cette langue, c'est très joue vivante au siècle qui vit. Ça fait 10 ans que je viens à cette fête de la langue normande, et ce qui me fait plaisir, c'est que de retrouver, de s'apercevoir que la langue normande est vraiment unitaire, et dans le sens où on retrouve, même s'il y a des prononciations différentes pour les mots, on retrouve quand même les mêmes mots, que ce soit dans le Pays de Caux, dans le Cotentin, à Jersey ou à Guernesey. Et ça, c'est un plaisir personnel. Eh bien, là la fête, Isha, dans le marché, fini pour Stonor. Nous avons eu une vraie bonne journée, et le temps est merveilleux et tout. Et nous avons eu tant de jours un matin, et énormément de jours, j'étais là-bas pour nous voir. Nous avons eu de la chèterie, de la causerie, et de la desserie, au Normand, Guernesey et Gélier. Et nous sommes très fiers de la fête Cartier, énormément bien. Et puis, là, c'est tout.